Donc aujourd'hui, on a une vision qui est bizarre de Cherbourg. On voit une gare maritime qui est désaffectée, qui est un monument sublime par ailleurs, hein, mais qui est désaffectée. Il faut se rappeler qu'il y a une époque où il y avait 7-8 transatlantiques sur rade. C'est énorme. Plus les transbordeurs, les bateaux qui emmenaient les passagers en permanence. Et donc ça drainait dans l'intérieur de la ville. Des voyageurs qui ne restaient pas là très longtemps, qui étaient en escale. Mais Cherbourg était une ville importante. C'était l'avant-garde de New York. Là. Il y a eu les immigrants aussi. Hein, les immigrants qui ont eu aussi une importance sociale et économique tout à fait considérable. Bon, puis tout ça, c'est considérablement atténué du fait de la disparition tout simplement des lignes transatlantiques. J'étais le seul postier français à monter sur les paquebots quand il y avait escale à Cherbourg. Donc pendant une quinzaine d'années, j'ai été aussi bien sur les Queen que sur les bateaux de la Greek Line. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer toutes les sortes de personnalités qui passaient, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'avion pratiquement. Tout le monde, que ce soit les personnalités politiques, avec M. Molotov notamment, qui passait toujours par Cherbourg, lui. Les artistes de cinéma, Orson Welles, Rita Hayworth, Jane Mansfield. J'ai vu également, mais bien des fois, dans la grande salle des Pas Perdus, ici, vous voyez, j'ai vu, quand le Queen, notamment, ne pouvait pas accoster, que les vents étaient trop forts, qu'il soufflait à 7-8 Beaufort automatiquement, les passagers restaient là de la nuit, passaient la nuit dans la gare maritime, sur les chaises longues. J'ai vu le duc de Windsor dormir ici, sur la chaise longue, dans la gare maritime. Mais vous savez, il ne faut pas croire qu'il n'y avait que des passagers de renom ou des hautes personnalités. Moi, j'ai vu ici embarquer notamment des émigrants pour la Grèce notamment, qui partaient sur la Greek Line, en fond de cale pratiquement, parce que c'était en tourist class. Et j'ai vu partir toute la famille, les enfants jouant ici dans la salle, pieds nus, et ayant pour tout bagage une couverture liée, attachée aux quatre coins. J'ai connu ça dans les années 53, 54... jusqu'en 1960 pratiquement. Dès la fin du 19e siècle, les premiers immigrants s'embarquèrent depuis Cherbourg à destination des États-Unis et de l'Amérique du Sud. Une première gare transatlantique fut construite vers 1912. Elle ne permettait pas aux bateaux de s'approcher des quais de la ville. Une noria de transbordeurs faisait donc la navette entre la gare et les paquebots mouillés en rade. À partir de 1922, les émigrants en attente du départ furent logés dans l'hôtel Atlantique, un bâtiment construit exprès pour eux et pouvant accueillir jusqu'à 2500 personnes. Car après la guerre de 1914, ils arrivèrent de plus en plus nombreux à Cherbourg. Ainsi, entre 1922 et 1925, plus de 48 000 émigrants embarquèrent chaque année vers les pays d'Amérique. Mais la crise financière de 1929 donna un grand coup de frein à un trafic fort lucratif pour des compagnies comme la White Star, la Cunard ou la Royal Mail Line. Les émigrants d'Europe centrale, les Grecs, les Turcs, les Russes ou les Polonais remplissaient mieux leurs navires que les passagers de luxe. Et lorsque la nouvelle gare transatlantique fut inaugurée en 1933 par le président Albert Lebrun,
l'émigration vers les nouveaux continents faisait déjà partie du passé, même si elle devait se poursuivre en pointillé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. L'hôtel Atlantique ferma ses portes en 1932. Une autre page de l'histoire cherbourgeoise s'ouvrait alors, celle du transport transatlantique moderne avec ses stars et ses passagers de luxe. On avait une cliente qui venait tout le temps, qui passait souvent sur la Royal Mail. Elle allait en Amérique du Sud, c'était la marquise de Cuevas. Avec les balais de Cuevas, les balais du marquis de Cuevas, la marquise de Cuevas, ça passait tout le temps. Et alors donc, elle appelait là, il fallait toujours lui la servir très très vite. Alors, on la servait ici, il y avait on branchait, on en fichait, on appelait la standardiste disait, vous avez Benozer dans la troisième. Alors, Madame la marquise, voulez-vous passer dans la troisième? Madame la marquise, passez dans la troisième, et c'était ça. Après, bon, la standardiste nous rappelait, attendez, vous avez New York dans la première. Et on balançait New York dans la première. Maintenant, c'est plus ça, vous avez l'automatique dans toutes les cabines, c'est facile. Mais à ce moment-là, tout était manuel. C'est surtout de cette époque dont on se souvient aujourd'hui, même s'il ne reste à Cherbourg que des bâtiments en mauvais état, quelques pellicules Super 8 et bien sûr des photographies des journalistes de l'époque. Nous avons rencontré un de ces hommes chez lui à Urville-Nacqueville, à quelques kilomètres de Cherbourg. Lise Taylor, Burton, les passagers, alors le monde qu'il y avait à l'époque, hein, les transbordeurs, le Queen, ça bougeait, hein. Queen Elizabeth, Queen Mary, vous savez, Queen Mary 3 cheminées, Queen Elizabeth 2, c'était le... Et alors, avec toutes les vedettes que vous rencontriez, ça commence à la gare maritime, terminait dans les bars de la ville. Ah non, parce que souvent la gare maritime, si elle descendait du bateau, mais si elle restait à bord à quai, je foutais qu'on vite fait au journal. C'est-à-dire qu'en à peine une heure, j'avais développé, tiré mes photos et je revenais les faire dédicacer. J'ai un fantasme du je ne suis pas le seul, hein, Claude Villers aussi. Enfin, il y a des tas de gens qui ont le fantasme du grand transatlantique. Et quand j'arrive à Cherbourg et que je vois cette gare maritime, et souvent derrière les superstructures d'un ferry, irlandais ou anglais ou français, peu importe, je sens une inspiration qui n'est... Enfin, pour moi, c'est un vrai port de départ. C'est savez qu'il y a deux façons de considérer un port. Pour certaines personnes, c'est une impasse, on bute. La mer est là, je ne sais pas nager, je ne suis pas oiseau, je ne suis pas poisson, je ne suis pas bateau. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Je m'arrête et je me dis, je ne peux pas aller plus loin, donc je suis prisonnier. Et puis, il y a d'autres personnes pour qui c'est au contraire l'ouverture... J'attends vers le large, ce qui est plus mon cas. Ici, on se situe dans la partie intérieure du port de Cherbourg. Aujourd'hui, on a de la chance parce que le temps est calme, il n'y a presque pas d'agitation. Mais il faut savoir que si, par exemple, la digue du large venait à disparaître, on aurait ici des creux de 1 à 2 mètres. Donc il faut se représenter ce que c'est, des creux à 1 à 2 mètres, avec quand l'eau arrive vraiment au bord. C'est-à-dire que l'eau déborderait sur la route, on pourrait pas avoir de bateaux qui stationnent comme ça sur des pontons à quai, puisqu'il y aurait une agitation qui permettrait vraiment pas de l'exploitation du port en tant que tel, quoi. Donc en gros, si la digue du large n'existait plus, on aurait... toute l'économie du port de Cherbourg serait bouleversée, parce qu'on ne pourrait plus avoir l'activité maritime que l'on a actuellement. Les digues de Cherbourg délimitent la plus grande rade artificielle du monde avec une superficie de 1500 hectares. La plus ancienne des digues fut certainement l'un des ouvrages les plus ambitieux du 19e siècle en France. La digue du large devait barrer l'accès de Cherbourg aux Anglais et permettre l'installation d'un port militaire sûr et puissant, quelles que soient les conditions météo. La construction de cette digue commença sous Louis XVI avant la Révolution en 1783. Malgré les troubles de cette fin de siècle et de celui qui allait suivre, pratiquement tous les régimes politiques apportèrent leur pierre à l'édifice.
À la fin du XVIIIe siècle, il faut bien se rendre compte qu'on n'a pas les moyens techniques dont on dispose à l'heure actuelle. Donc deux techniques étaient possibles pour bâtir la grande digue du large. La technique qui est adoptée est celle proposée par un ingénieur des ponts et chaussées qui s'était déjà illustré dans d'autres travaux maritimes et hydrauliques, Louis-Alexandre de Cessart. Et Louis-Alexandre de Cessart propose, lui, de bâtir une digue à partir de cônes, de caisses coniques. Et donc ces caisses coniques étaient construites à terre, entourés d'un certain nombre de tonnes pour assurer leur flottaison et remorqués à la mer avec des bateaux. Et on avait prévu, pour bâtir cette grande digue, de couler ainsi 90 caisses coniques en bois. Et c'est là que se passe un des épisodes les plus glorieux de la construction de cette digue. Louis XVI vient en personne assister au remorquage du 9e cône. C'est un événement considérable, puisque pour la première fois, le roi quitte la région parisienne pour venir à la rencontre de ses sujets. Et quelle destination choisit-il alors ? Cherbourg, puisque Cherbourg, on peut considérer que c'est les grands travaux du règne, les grands travaux de cette époque-là. C'est vous dire un peu l'impact que ça pouvait avoir. Évidemment, il faut imaginer que des caisses coniques qui font 45 mètres de diamètre à la base, une vingtaine de mètres en hauteur, ça mange beaucoup de bois. Deuxième problème, les tempêtes sont extrêmement fortes et brisent les cônes dès leur mise en place parfois. Pour toutes ces raisons, on décide de mettre un terme à cette expérience et on arase les cônes au niveau des basses mers. Et puis on revient à la technique traditionnelle à pierre perdue et on a terminé de construire la digue comme ça à la fin du XVIIIe siècle. Ici donc on se situe sur la partie large de la digue. On aperçoit en bas le début du talus qui forme en fait la digue, puisque la digue est mixte. Elle a été constituée d'abord par un talus en pierre perdue. Donc après l'expérience des cônes, on a décidé d'amener les pierres par bateau, et donc avec des systèmes de chalands qui ont déversé les 3 millions de mètres cubes en fait qu'il a fallu pour créer cette digue. Donc c'était d'abord une digue en fait uniquement en matériaux, donc sans superstructure. Et donc sur cette digue qui était à peu près à la côte zéro, donc juste à peu près au niveau des marais, qui dépassait à peine de l'eau. Ensuite, on a érigé ce qu'on appelle la superstructure, et donc qui est composée d'une carapace en bloc maçonné de granit, et avec un remplissage en bloc de schiste, et qui a été ourdé à la chaux. Attention, hein. Tu as un caille déjà qui débarque pour récupérer les gens. Hein. Je peux le dire là-dessus. Nous nous trouvons donc maintenant sur le fort central, qui est un des éléments majeurs des fortifications de la rade de Cherbourg. Il est situé, comme son nom l'indique, au centre même de la grande digue du large. Sa construction a été réalisée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, sous l'Empire, en 1804, on avait entrepris de bâtir une batterie provisoire au centre de la digue qui émergeait alors. Mais cette batterie avait été emportée par une tempête en 1808, tempête qui avait fait énormément de victimes, 176. Et ce n'est qu'en 1811, lorsque Napoléon vient à Cherbourg pour visiter les travaux de la rade, qu'il décide de faire construire un fort à cet emplacement. Un vrai fort cette fois, et non plus une batterie provisoire. Mais à sa chute en 1815, le socle de ce fort émerge. Le fort lui-même a été terminé en 1858. À la même époque, on avait ajouté pour défendre cette rade un certain nombre de points fortifiés, notamment le musoir ouest et le musoir est, qui est maintenant détruit suite à la guerre de 1940.
Alors, sous Napoléon III, il faut préciser qu'un petit chemin de fer reliait les trois forts entre eux et permettait d'apporter les projectiles aux canons qui non seulement étaient dans les forts, mais également étaient disposés tout au long de la digue face à l'Angleterre. C'est pareil, il faut imaginer cette digue pas du tout comme elle est aujourd'hui en fait. Non, non, il y avait une activité permanente avec des artilleurs, bon, des cantinières dans les forts, des garnisons de plusieurs centaines d'hommes par fort. C'était quelque chose de très vivant, très animé, très coloré et qui a duré bon, jusqu'à la guerre de 1914, peut-on dire. Bon, ces forts n'ont repris de l'activité que lors de l'occupation allemande. Et il faut tout de même préciser que les deux seuls combats auxquels ils ont eu à faire face ont été contre une offensive terrestre, la première en 1940 face à l'armée allemande et la deuxième en 1944 quand les Allemands occupaient les forts et que les Alliés sont arrivés donc, pour délivrer Cherbourg. Alors finalement, on a construit tout ça pour rien. Bon, enfin, le principal objectif était de lutter contre l'Angleterre et quand Napoléon III est venu en 1858 inaugurer, la reine Victoria était présente à Cherbourg également, donc c'est tout de même un paradoxe. Le fort de l'île Pelée fait partie des trois ouvrages construits en même temps que la digue du large vers 1780 et destiné à compléter le système défensif cherbourgeois. Aucun bateau ne devait plus pouvoir s'approcher de la rade sans échapper au feu des canons des forts. Le fort de Kirqueville existe toujours, mais celui du Houmet a presque entièrement disparu. Le fort de Chavagnac fut érigé entre 1850 et 1860. Mais il fut rendu inopérant dès 1888 par la construction de la digue de Kirqueville à l'ouest. Ses canons dirigés vers le large visaient désormais le mur de granit nouvellement bâti. La digue de l'Est vint renforcer la défense de l'île Pelée en 1896. Le port de ce fort date d'ailleurs aussi de cette époque. Je te fais une matelote de roussette avec ça. Et le persil d'île Pelée, tu le mets à bord, tout le monde est content. Quoi. C'est la fête. Ça sent, hein. C'est pas du persil du continent. Ah, c'est publicité. C'est ça l'île Pelée. Le fort de l'île Pelée reprend les idées du marquis de Montalembert. Ses formes arrondies devaient théoriquement offrir moins de prise à l'artillerie ennemie. À l'extérieur, il ne reste plus grand-chose de visible des bâtiments primitifs, car comme tous les autres forts de la digue, il fut recouvert de béton peu avant 1900. Ainsi, ses casernements ont été construits seulement dans la seconde moitié du XIXe siècle. À l'origine, le fort était armé de 20 canons et de 14 mortiers. Casemates et magasins à poudre s'organisaient autour d'une cour centrale. En face à nous, nous avons le vestige de l'enveloppe avec les ouvertures destinées à accueillir les canons. Donc, c'est le bâtiment qui date de Louis XVI. Alors là, nous allons entrer dans le fort avec cette porte toujours en granit rose et avec les vestiges au sol d'une voie ferrée. Je peux spécifier que ce fort pouvait vivre en autarcie avec une centrale électrique
et des ascenseurs vraiment très performants, comme ceux qu'il y avait à l'époque à la Tour Eiffel à Paris, qui permettaient de faire monter les pièces, les canons, jusqu'à la terrasse supérieure. C'était une véritable ville. Oui, il y avait plusieurs centaines de militaires qui vivaient ici en permanence, qui étaient ravitaillés tous les jours par l'arsenal en nourriture. Et bon, le fort pouvait vivre vraiment en autarcie, surtout grâce à cette centrale électrique qui était assez rare à cette époque. Mais les militaires ont dû patienter quelques dizaines d'années avant de connaître les joies de la modernité. Si le granit rose de la porte date bien des années 1800, ascenseurs et électricité ont été installés bien après, fin 19e. Donc là, nous entrons dans un des nombreux magasins qui se trouvent à l'intérieur de ce fort. Il y a un certain nombre de casemates où on pouvait entreposer des pièces de tir, des pièces d'artillerie, et puis des magasins à munitions. C'est dans ce type de magasin que nous trouvons ici. Voilà. Donc ici, vous avez les vestiges, ce qu'il reste de la rampe d'ascenseur, en fait, qui servait à monter les munitions aux étages. Alors là, on a les vestiges des éviers et des lavabos, donc de l'origine, qui permettaient donc aux militaires de préparer la cuisine, de pouvoir se laver fréquemment. Le plan paraît assez compliqué et un peu dédalique, mais en fait, on doit pouvoir s'y repérer normalement assez facilement. Donc voilà, on se retrouve là dans la grande galerie, dans une des galeries centrales, donc qui traverse l'ensemble du fort jusqu'au bout. Et là, on a un certain nombre d'espaces qui étaient aménagés en bureaux. C'est ce qu'il en reste maintenant. Voilà, donc on peut monter d'ailleurs. La passe de l'Est. Donc on peut installer une pièce d'artillerie pour défendre la rade. C'est le but premier du fort. Hein, tout de même. Le fort garde aussi traces d'occupation plus récentes. Cette peinture a été réalisée par un artiste allemand, soldat lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors nous sommes ici devant les derniers vestiges de la porte d'entrée donc de l'île Pelée, qui est directement inspirée des anciens ponts-levis du Moyen-Âge. Ce système a été sans cesse perfectionné au cours du 19e siècle. Et vous en voyez ici un bel exemple avec un système de contrepoids qui permettait donc de lever la porte du fort. Il est à peu près intact depuis cette époque, bien qu'il ait souffert de la rouille, mais c'est un exemple intéressant à noter. Comme vous pouvez constater, le fort de l'île Pelée est le royaume des goélands, maintenant. Et là, on a une vue sur la porte d'entrée. On a coulé une chape de béton de 5 mètres, à peu près, pour faire face aux progrès de l'artillerie à la fin du 19e siècle. L'invention de l'obus-torpille a obligé les ingénieurs à revoir leur conception sur la fortification. Et donc à ce moment-là, la cour centrale a disparu et on a bétonné l'ensemble. C'est pour ça qu'on a un toit complètement uni maintenant. C'est pas une construction des Allemands comme, Non, c'est pas une construction des Allemands. Encore que je ne sois pas assuré que toutes ces adjonctions sur le toit ne soient pas des adjonctions plus contemporaines. Mais en fait, le bétonnement des forts et l'arasement des superstructures des forts, ça a été fait à la fin du 19e siècle. Thank you.
Cherbourg et son agglomération comptent aujourd'hui aux environs de 100 000 habitants. La ville intramuros en héberge à elle seule plus de 26 000. Au XVIe siècle, on recensait 4 000 personnes seulement à Cherbourg, installées au sein des fortifications d'un château très bien défendu. La place est faite pour protéger la Normandie des invasions anglaises. Au gré des ans et des humeurs des souverains des deux pays, Cherbourg fut tantôt français, tantôt anglais. Lors d'une période plus calme que les autres, au XVIIe siècle, le château tomba en ruine. Finalement, le ministre de la guerre de Louis XIV donna l'ordre de le raser. Il avait peur que les Anglais le prennent et s'y installent durablement. Aussi, en 1783, lorsque le roi donna le coup d'envoi à la construction de la digue du large et du port de guerre, Cherbourg n'était qu'un gros village de 6 à 7 000 âmes, seulement doté d'un port de commerce à l'abandon. Les Anglais l'avaient complètement détruit en 1758. Ces grands travaux allaient bouleverser en profondeur la vie des habitants de toute la région. Aujourd'hui, en parcourant la ville, nous pouvons encore y lire les changements imposés par le 19e siècle. Voilà, nous sommes rue Aublé, en plein cœur du vieux Cherbourg médiéval, dans un ensemble de cours, de passages, qui a été rénové depuis quelques années, ce qui a permis de mettre en lumière la variété et la richesse de cette architecture. Alors derrière nous, nous avons deux tourelles du 16e siècle, très belle, très renflée, avec toute cette variété, toute cette palette de tons propres aux matériaux du Cotentin. Alors bon, ces coups ont été entièrement modifiés, remaniés au cours des siècles. Parfois, il est très difficile de dater. Mais dans l'ensemble, les bâtiments les plus anciens sont du 16e, avec des rajouts du 17e, voire 18e ou 19e siècle. Alors, c'est une maison du 17e siècle qui a un caractère très pittoresque. De par sa forme d'une part et aussi par la variété des matériaux, schiste, calcaire et grès. Et cette maison donc, qui dispose d'un petit escalier qui permet d'accéder donc, au premier étage a subi peu de changements depuis sa construction. On peut voir tout à fait le contraste avec la maison d'à côté qui est des années 1830-1840 semble-t-il et qui, dont les embrasures donc, ont un contour très régulier. C'est une maison typique des constructions construites dans les années 1820-1830. C'est une sorte de standardisation donc, des modèles qui est bien perceptible dès les années 1820 en fait, jusqu'au Second Empire. Le Cherbourg prend de plus en plus d'ampleur, il y a un besoin de construction qui se fait sentir, et des rues entières sont percées, on rénove le centre urbain de Cherbourg. Car la digue a besoin de bras. En un siècle, plusieurs dizaines de milliers de personnes s'établissent à Cherbourg. Ils viennent de la Hague, du Val-de-Serre, de tout le Cotentin et parfois même du Calvados. Cette maison date du début du 19e. Elle domine à l'époque la rue Grande-Rue et son marché aux poissons. C'est la principale artère de la ville. Cherbourg s'anime de plus en plus. Pour l'instant, la mer se fracasse encore sur ce qui reste des remparts de l'ancien château. Mais le bassin du commerce, enfin réparé, connaît un regain d'activité. Cette place centrale a été créée sous le Second Empire dans les années 1860 dans le cadre de ce qu'on appelait alors l'osmanisation de province. C'est-à-dire qu'à la suite des grands travaux faits par le baron Haussmann à Paris, toutes les villes de province ont voulu imiter cette politique. Et ici, on n'a pas hésité à détruire quantité de maisons anciennes, dont certaines remontaient au XVIe siècle. Il faut dire que ces rues du vieux Cherbourg étaient très peuplées. Ainsi, la rue Aublé avait plus de 1000 habitants dans la première moitié du XIXe siècle. Alors que maintenant, le chiffre a très nettement chuté. Il y avait une très grande densité de population et certaines familles d'ouvriers, par exemple, vivaient à 10 ou 12 personnes dans une seule pièce. Le Second Empire, à la fin du 19e siècle, peut être considéré comme l'apogée de Cherbourg dans la mesure où la ville bénéficie d'un grand rayonnement, même sur le plan national, grâce aux visites officielles qui ont lieu, et par l'implantation de grands équipements, création d'hôpitaux, d'églises, enfin, de théâtres. La ville connaît vraiment une vie très riche et très variée. Les chefs d'État et membres de gouvernement français ou étrangers se succèdent à Cherbourg.
Du duc d'Angoulême au Shah de Perse, en passant par le tsar de Russie, tout le monde vient voir un des grands chantiers du siècle. En 100 ans, une vingtaine de personnalités internationales font escale dans le port du Cotentin. Côté équipement, dès l'ouverture des travaux, on crée des hôpitaux. Et dans les années 1820, des lieux de loisirs, un casino, un établissement des bains de mer. Le bassin du commerce accueille les plus beaux croiseurs de la marine française. À la fin du siècle, le pont tournant est même équipé de rails pour laisser passage au premier tramway à vapeur. Dans une des rues bordant la place centrale évoquée par Bruno Santorame, cette maison des années 1860. La mode parisienne fait des ravages. On délaisse le schiste bleu apparent et les maçons enduisent les murs. Les ouvertures sont hautes, la maison blanche et lumineuse. Elle m'avait tourné la tête et mon cœur était en fête. Mais une grande différence d'âge me commandait de rester sage, mais plus fort que moi, le mois. Certains quartiers ont survécu jusqu'aux années 60. Ainsi, le quartier de la Divette, qui mêlait architecture des 17, 18 et 19e siècles. Y résidaient des pêcheurs, des employés du port, et bien sûr de nombreux ouvriers de l'arsenal, fêtant régulièrement la mise à l'eau d'un vaisseau tout neuf ou le remplissage d'un bassin fraîchement creusé. Roger Picneau a tenu un bistrot dans le quartier avant la destruction totale des maisons pour cause d'insalubrité. Là, on pouvait placer un cirque avec 4 pistes, 6 pistes. Il y avait les grands cirques d'après-guerre, venaient tous là. Alors, il y avait il y a deux fois la semaine un petit marché le mardi. Et le jeudi, il y avait un grand marché. Alors là, tous les cultivateurs venaient vendre leurs veaux, vaches, cochons. Il n'y avait pas de modernité. Qu'il y a maintenant, les gens, on a du mal quelquefois à s'imaginer que les gens, par exemple, le matin, venaient vider leurs seaux dans les égouts. Très tôt le matin, ou tard le soir. Ah, c'était l'inconvénient de ce quartier, c'est que quand il y avait conjugaison d'une grande marée avec un peu de pluie, un peu ou beaucoup de pluie, eh ben, on subissait le flux et le reflux. Oui, il suffisait de prendre le calendrier des marées et on savait à la minute près quand la marée commençait à monter. On la voyait arriver par les groupes et on le savait d'avance. On mettait même des barrages aux portes, devant et derrière, pour éviter qu'il rentre trop d'eau à l'intérieur. Quelquefois, malheureusement, ça passait par-dessus, mais là, on n'y pouvait plus rien. Un marché existe toujours à proximité de la place d'Yvette, mais aussi sur la place du Général de Gaulle, en face du théâtre. Quand Cherbourg se dote de ce théâtre, Cherbourg est vraiment une des grandes villes de France, on va dire. C'est une des villes les plus prestigieuses sur le plan militaire et maritime en particulier. Et il est important de voir que tout au cours du 19e siècle, sa population augmente et ça devient une des villes les plus peuplées de Normandie. Et une des villes où l'activité théâtrale et musicale est très riche, puisqu'il n'y a pas moins de 5 sociétés de musique à Cherbourg, 3 théâtres, plusieurs kiosques à musique. Certaines personnes n'hésitent pas à créer même des opérettes dans leur salon. Ce qui est très, très curieux aussi, c'est de voir la distinction sociale qui apparaît par le biais des loges, avec les petits salons attenant aux loges officielles que l'on peut voir encore avec leur mobilier d'origine. Cherbourg s'enrichit aussi dans la seconde moitié du 19e de parcs floraux. Un original mécène, ancien directeur de l'observatoire de Rio de Janeiro, ramène ainsi de ses voyages des palmiers de toutes sortes. Emmanuel Lier deviendra maire en 1880 et laissera à ses concitoyens un havre de paix en plein centre-ville. Chariot. Eh ben mettez tout sur le chariot. Hein? Il n'a pas les bonnes roues. Oh putain de merde.
Bien sûr que personne n'a sorti. Moteur, ne sortez pas là-bas. Allez, cachez-vous, reste là-bas. Moteur. Coupez. Oh, allez. Ça suffit, allez ensemble. Comment il s'appelle déjà? Big River. Big River, il est monté sur un caillou. Alors on en est au troisième blessé. Écoute, je me le farcis depuis 1960. T'imagines ce que ça veut dire? Oh, c'est une bonne amitié quand même. Oh oui, mais franchement, c'est charri. Ouais. Oh, ça fait depuis 15 ans quand même, j'assiste à souvent à chaque tournage qui a lieu dans la région quand même, hein, que ce soit un film ou un téléfilm. Et celui-là quand même, il est impressionnant. Impressionnant par les colères de M. Mocky. On s'en va voir. Et encore Sinervieux. Sinervieux avec Cherbourg à l'affiche ici, là. Le port de Cherbourg, là. Et un autre que j'avais retrouvé qui était bon. Oh, c'est joli, ça. La couverture, en fin de compte, de ciné monde de l'époque avec Jean Gabin et puis Blanchet de Brunois dans la Marie du Port. C'est joli, ça. Sur Cherbourg même, il n'y a eu vraiment que deux films de tournée, deux grands films. C'est sur toute la région qu'il y a eu beaucoup de films de tournée dans la Hague et puis côté Mont-Saint-Michel. Au total, moi, j'en ai recensé 70 depuis 1897, dont les premiers, en fin de compte, on ne peut pas dire que c'était vraiment des films, c'était des reportages d'actualité, les frères Lumière qui étaient venus ici à Cherbourg, en fin de compte, lorsque le tsar Nicolas II, il a débarqué à Cherbourg pour repartir sur Paris. Catherine Deneuve et son amoureux sont sur ce chariot, montés sur des rails, mais la difficulté, c'est que lui tient également son vélo. C'est l'ouvrier typique avec son vélo, et ils rentrent tous les deux. Alors le travelling se passe bien dans un décor qui est extraordinaire, il faut voir que tout ça est peint en rouge. Les briques sont peintes en rouge, on pense bien sûr tout de suite à West Side Story. Ça se passe bien, ils sont obligés de chanter en playback, il y a des haut-parleurs qui sont accrochés là-haut. Et là, 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 là. On va entendre cette musique pratiquement toute la nuit. Car en fait, cette scène est très, très difficile à tourner. Lorsqu'ils arrivent à la fin du travelling, on y est pratiquement, ils doivent descendre tous les deux en douceur, mais il y a le vélo qui est là, et qui lui aussi doit descendre en douceur. Et à chaque fois, quelque chose ne plaît pas à Jacques Demy. Il continue, mais on va devoir recommencer la scène tellement, tellement de fois que Catherine Deneuve, c'est certainement la scène la plus difficile pour elle de sa carrière, elle va s'écrouler, elle va se mettre à pleurer. Et donc, les haut-parleurs qui diffusaient la musique, car ils chantaient en playback, étaient accrochés sur ce mur là-haut, des haut-parleurs très longs, fuselés, et moi j'avais ma petite chambre, accrochée tout au sommet là-haut, je l'ai regardée, cette Catherine Deneuve, mon Dieu, qu'elle était belle. Moi, je sais qu'on a travaillé ici, à Cherbourg même, et dans la Hague, c'est la même chose, hein, avec des directeurs de la photo qui deviennent fous. Parce que vous installez votre caméra pour filmer un acteur, il est en plein soleil, le temps de dire moteur, et vous avez ce qu'on appelle dans notre jargon une fausse teinte, où il est carrément à l'ombre. Alors vous dites, bon, bah alors la scène va être une scène à l'ombre, romantique. Alors on se met à l'ombre, à ce moment-là, le soleil sort. C'est véritablement démoniaque. Mais parlons un peu des peintres aussi. Des grands peintres comme Millet, mais aussi des aquarellistes du dimanche, sont fascinés par les ciels de Cherbourg. C'est pas pour rien, ils sont extraordinairement changeants. Alors, les peintres sur Cherbourg sont de deux natures. Vous avez des peintres qui viennent de Paris au moment où il y a les voyages officiels de chefs d'État. Je pense à Morel Facio, à Gudin. Puis, vous avez les autres artistes qui vont être originaires du pays et qui vont même bénéficier d'une bourse municipale qui leur permettra ensuite de monter sur Paris et de prendre des cours à l'École des Beaux-Arts. Notamment Jean-François Millet. Il est inutile d'en parler compte tenu de l'importance de cet artiste international, le peintre des paysans.
Vous avez ensuite Guillaume Foys, qui bénéficiera d'une bourse. Guillaume Foys fait partie de ces peintres de nature morte qui vont atteindre un bon niveau sur le plan national. Puis un artiste de paysage qui s'appelle Armand Fréré et dont la carrière est intéressante parce qu'il sera également restaurateur pour ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la direction des musées de France. À Cherbourg, vous aurez également donc des personnalités locales qui vont créer un salon de peinture. Et vous aurez des gens comme Enner qui prêteront des toiles pour être exposés à Cherbourg. Donc Cherbourg, pas différemment de quelques grandes villes de province, mais participe de cet élan culturel, de cet élan culturel républicain qui caractérise finalement toute cette naissance de la Troisième République jusqu'au début du siècle. Ah, c'est l'ambiance, hein? Tu rentres, tu t'assois, le téléphone sonne. Allô ? Vous l'avez trouvé ? Oui. Hein ? Allez, attention, moteur. Ça s'entend aussi sur un deuxième. Allez-y. Dring. Salut, messieurs. Dring. Oui, inspecteur Lévy. Ah, vous l'avez trouvé ? Sur aucun film, j'ai toujours en fin de compte gravité autour d'un film, mais j'ai jamais été figurant. Puis dans un rôle d'inspecteur de police, quand même. C'est marrant, quoi. C'est marrant. Vous ne pensiez pas arriver à ça, là Du tout, en arrivant ce soir, du tout. Monsieur Mocky m'a dit j'ai besoin d'un policier, ben, vous faites le policier. J'ai dit oui, pas mal. Il y a combien de mètres carrés qu'il va falloir refaire? Là, il faut tout refaire. Là, on a déjà ici la grande halle des traces, c'est 9000 mètres carrés. C'est le propre, malheureusement, de toutes les grandes agglomérations urbaines situées en front de mer, c'est que progressivement, elles ont tendance, à travers l'urbanisation, à perdre progressivement leur racine maritime. Et quelque part, ce patrimoine, ce lieu, je dis souvent mythique, parce qu'il est empreint de mémoire, d'histoire. La force aussi du projet de la Cité de la Mer, c'est de sauvegarder ce patrimoine qui, de toute façon, allait poser un vrai problème dans les années qui viennent. Donc c'est cette capacité à relancer en permanence entre la mémoire et la modernité. J'y crois profondément. Et je crois que c'est là l'enjeu. L'enjeu, on est à proximité de la plus grande rade artificielle du monde, on sauvegarde un patrimoine et on se projette dans le 21e siècle. Là où il y a le bonhomme, on les voit sauter, les saumons. C'est beau quand même comme paysage, ça. Hein ouais. C'est pas un travail comme un autre que vous faites. Et non, c'est intéressant, quoi. C'est unique, hein. On dit que la rade de Cherbourg est la plus grande rade artificielle au monde. Alors, les cherbourgeois pensent que c'est vrai. Je pense aussi, mais enfin bon, il existe peut-être un autre ouvrage aussi important. Donc, les joints qu'on a ici ont été faits en 1958. Donc, on voit que depuis, ils se sont largement dégradés. Il faut savoir qu'un joint dure à peu près une quinzaine d'années, quoi. Et donc, on a une dégradation ici du joint. Et on a même aussi, on constate là même aussi une dégradation du granit. C'est-à-dire que le granit s'est dégradé comme s'il était dans son milieu naturel, par les infiltrations. Donc là, on a les deux phénomènes. Et on a aussi là le gonflement du liant qui provoque le soulèvement des pierres. Ben là, on a des pierres taillées de granit. Et alors, ça fait un peu bizarre de les retrouver là, mais en fait, il s'agit des pierres qui étaient avant sur le parapet de la digue et qui ont, à la suite d'une tempête, été démolies et puis projetées de l'autre côté de la digue, donc à peu près une trentaine de mètres.
J'ai pas encore écrit un long gros roman qui se situe à Cherbourg. J'allais dire, il me manque encore des impressions. Moi, je travaille beaucoup comme un impressionniste. Un peu à la façon de, toute proportion gardée, mais un peu à la façon de mener avec ses nymphéas. Il faut en faire, il faut que je les regarde. Bon. Mais je pense que Cherbourg a la potentialité d'une très grande histoire romanesque. Allez, voilà tourné. Est-ce que tu peux avoir des... Bien sûr, 3 deuxièmes. Silence. Docteur. J'ai le lieu, j'ai mon décor, j'ai mon théâtre, c'est cette ville. J'ai pas encore mes comédiens. J'ai ma lumière. J'ai pas les comédiens encore, j'ai pas les personnages de la comédie ou du drame, ou du mélange de la comédie et du drame. Mais je sais qu'un jour, j'écrirai un grand roman qui se passera à Cherbourg. C'est pas l'envie qui manque pour l'instant, c'est la hantise encore humaine qui n'est pas là.